Yeah.
Chant de victoire 180.
121. Thank you.
Tuna la mukia makutano mangaribi mujina la Yesu Kristo. Je salue ce soir l'église au nom de notre Tuko Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des annonces. Nduku Junior Kazadi wa Lubumbashi eko katikati yetu. Frère Junior Kazadi, il est de Lubumbashi, il est parmi nous. Tamomba patu kushimama jutu patu kumu la mukia. Nous lui demandons de se lever afin qu'on puisse le saluer. Nduku Junior. Frère Junior Kazadi, où êtes-vous? Il est là, dans le fond. Est-ce que Kanisa nampokela mujina la Yesu Kristo? Église, vous le recevez au nom de Jésus-Christ. Karibu frère. Soyez les bienvenus, frère. Nduku Mathieu, nadata Christine, muke wake. Frère Mathieu, c'est que la sœur Christine, sa femme. Bote, banatokea pale Kasaji. Tuna baomba, papa tukushimama. Ils viennent de Kasaji, je leur demande Nduku de Mathieu. Se mettre debout. Frère Mathieu. Nduku Mathieu. Frère Mathieu. Levez votre main. Ah, Nduku eko kule kumwisho. Nduku Mathieu. Le frère Mathieu, son enfant. Dada Christine. Sœur Christine, où êtes-vous? Dada na eko kule nambo. Est-ce que Kanisa inapokelea Nduku na dada mujina la Yesu Kristo? Église, est-ce que nous saluons le frère et la Mungu sœur bibariki, karibu. Soyez les bienvenus, frères Nduku et frères. Nduku Yoshua Ilunga. Frère Yoshua Ilunga. La dada Ruth Banza. Ainsi que la sœur Ruth Banza. Ah, Banduku baritoka Lubumbashi, barikuya ubi mashiku. Ils sont parmi Bananza kurudia kwabo. Ils comptent rentrer à Lubumbashi. Est-ce que Kanisa inechika bapeleke masalamu yetu pale Lubumbashi? Église, est-ce que vous acceptez qu'ils puissent porter nos salutations à Lubumbashi? Mungu amibariki na mitangulie. Puisse Dieu vous précéder, Nduku vous bénir. Mambwe Costa. Pre Mambwe Costa. Nduku alikuwa mgonjwa. Était malade. Alikuwa kuniona. Il est venu me voir. Kisha mi kumuombea Mungu anamutunza. Après avoir prié pour lui, Dieu l'a guéri. Huku mahitaji. Il y a des requêtes. Ya bandugu biko nafanya safari. Il y a ceux-là qui ont de voyages en vue. Bali natafuta kazi. Il y a ceux-là qui ont besoin du travail. Agonjwa. Parmi nous, il y a des malades. Parmi ceux qui sont malades, il y a ceux-là qui vont voyager. Et divers problèmes. Il y a ceux-là qui vont présenter des tests d'embauche. Tout le monde a besoin de la prière. Nous sommes dans la joie. Nduku Mwamba. Frère Mwamba. Donc, pasteur wa imakutano, alikuwa msafari. Le pasteur de cette église était dans le voyage. Anarudia. Il est parmi nous. Est-ce que Kanisa nampokela mujina la Yesu? Église, est-ce que vous le recevez au nom de Jésus-Christ? Mina mkaribisha. Je l'invite. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Nami salimie mangaribi mujina la Yesu Christo. Je suis dans la joie. Nikona fura. De rencontrer l'église des élus. Ya kukutana na kanisa ya wateule wachakuliwa. Tous les élus de Dieu. Wachakuliwa wateule wote wa Mungu. David de Kolwezi. Mumuji wa Kolwezi. Sont ici. Weko hapa kwetu hapa pa hii kanisa. Ils ne peuvent pas être ailleurs. Abaizi kupatikana fasi ingine. Il les a rassemblés ici. Mungu aliwakusanisha hapa. Et quand je vous vois, na wakati na miona ninyi wateule, je suis dans la joie, niko na furaha sana, de voir les vainqueurs, ya kuona washindaji. C'est vous les vainqueurs. Ni ninyi washindaji. Je vous ai dit debout. Na miomba mpate kusimama. Nous avons bien voyagé. Safari yetu kwa mzuri. Avec ma femme, la sœur Marthe. Nilisafiri pamoja na mke wangu, dada Marthe. Dieu nous a gardé à l'aller comme retour. Mungu alitulinda katika safari mkwenda hadi mkurudia. Pierre, chapitre 5. Verset 12. Verset 13.
C'est par Sylvain. Nous pitié Sylvain. Qui est à mes yeux un frère fidèle. Ambaye kumacho yangu ni ndugu mwaminifu. Que je vous écris un peu de mots. Ni kupitia neno miandikia mwi masemo kidogo. Pour vous exhorter. Ili nipate kumionya. Et pour vous attester. Najua kupata kumihakikishia. Que la grâce de Dieu. Ya kwamba neema ya Mungu. À laquelle vous êtes attaché. Kule mmefungwa wako. Et la véritable. Ile neema ni ya kweli. Nous vous attestons. Tuko namhakikishia. Que la grâce ya kwamba neema de Dieu ya Mungu à laquelle vous êtes attaché kule ambako mnafungwa et la véritable ile neema ni ya kweli. L'église des élus kanisa wachakuliwa wateule qui est à Babylone ambako ku Babylone. L'église des élus kanisa wateule qui est à Babylone ambako ku Babylone. L'église des élus kanisa wateule qui est à Kolwezi ambako Kolwezi. L'église des élus kanisa wateule qui est à Durban ambako ku Durban. L'église des élus kanisa wateule qui est à Pretoria ambako ku Pretoria. L'église des élus kanisa wateule qui est à Cape Town ambako ku Cape Town. L'église des élus kanisa wateule de Johannesburg ambako ubeko ku Johannesburg. Ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Wote walimsalimu mu jina la Yesu Kristo. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Mulabukiane katikati yenu kwa kubusu kwa mapendo. Que la paix soit avec vous. Salama iwe nanyi. Que la paix soit avec vous tous. Salama iwe nanyi ninyi wote. Vous tous. Mwe bote. Qui êtes en Jésus-Christ. Ambamo muko ndani ya Yesu Kristo. Nous avons fait un bon voyage. Safari yetu kwa mzuri sana. Nous avons été à Durban. Le quoi que Durban? Là, il y a le frère Tarsis. Le Kondugu Tarsis. Le frère Germain. Togo Germain, au Cape Town. Qui conduit l'église là-bas. Le Kondugu Angozali Makanisa Kule. Nous avons été à Pretoria. Le quoi que Pretoria? Avec le frère Laurent. Le quoi Nandugu Laurent? Et le frère Jadika Joseph. Nandugu Jadika Joseph. Qui conduit l'église là-bas. Le Angozali Makanisa Kule. Nous avons été à Cape Town. Le quoi Cape Town? Avec le frère José. Nandugu José. Et le frère Peter Yunika. Nandugu Peter Yunika. Qui dit j'existe là-bas. Yo yongozele kanisa kule. Nous avons été à Jobourg. De quoi que Jobourg. Avec le frère Mangi Poli. Nandugu Mangi Poli. Et le frère Kamono. Nandugu Kamono. Nous existe là-bas. Yo yongozele kanisa apale. Nous avons été bien reçus. Wali tupakia mzuri. Le travail a été fait. Kazi ya Mungu ilifanyika. Dieu accomplit son œuvre. Mungu alitimiza kazi yake. Ce n'est pas nous. Sio sisi. Même quand nous prêchons. Ataki tuko na ubiri. Ce n'est pas nous. Aina siye. C'est Dieu qui nous utilise seulement comme des instruments. Ni Mungu ndio anatutumikisha kama vile vyombo. Quand le frère Albert est ici. Wakati ndugu Albert yuko hapa. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Yeye ajui kile kenye atasema. Il a une idée. Eko na wazo ya kusema. Je sais qu'il va dire. Ya kile atasema. Mais ce qu'il dira. Lakini kile atasema. Ajui. Même les mots. Ata matamko. Tu vas utiliser, je ne sais pas. Ile atatumia. Même les gestes. Ata namna kutingizika. Même les gestes tu vas faire. Ata namna kutingizika ile atafanya. Dieu connaît. Ajui. Tu connais sa parole. Tu connais ce qui sera dit. Mungu anajua neno lake na ile atasema. Soyez attentif. Joko mna mutege sikio. Prêchez avec le prédicateur. Baubiri mubiri. Entre en esprit. Mungu katika roho. Entre dans l'esprit de la prédication. Mungu katika ile roho ya mahubiri. Quand tu es dans l'esprit de la prédication, wakati unaingia mwile roho ya mahubiri, tu ne verras pas les erreurs, tu ne verras pas les fautes. Utaona makosa. Tu verras l'essentiel. Utaona ile kabaila. Tu verras ce que Dieu veut dire. Utaona ile Mungu akona penda kusema. C'est comme là que Dieu fait des miracles. Ni mwile wakati Mungu akona tenda miujiza. C'est quand nous entrons dans l'esprit de la prédication. Ni wakati tunaingia muroho ya mahubiri. C'est comme là que Dieu nous parle. Ni mwile wakati Mungu akona sugumza nasi. C'est comme là que Dieu agit. Ni mwile wakati Mungu akona tenda. C'est comme là que Dieu réalise ce qu'il veut dire dans nos cœurs. Ni mwile wakati Mungu atatimiza yeye akona penda kusema ndani ya mioyo yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Prions et j'invite les frères. Tuombe na namuita ndugu Albert. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, tu as créé le monde visible et invisible par ta parole. Wewe uliumba dunia yenye kuonekana na isiyoonekana kwa njia ya neno lako.
Tu as créé les cieux et la terre. Ulumba mbingu na udongo. Et les choses qui sont par ta parole. Na vitu viko amo kwa njia neno lako. Et tu nous sauves par ta parole. Na uko natuokoa kwa njia neno lako. C'est par ta parole. Ni kwa njia neno lako. Que tu nous transformes. Njoko natubadilisha. Par ta parole. Ni kwa njia neno lako. Tu nous changes. Njoko natubadilisha. Par ta parole. Kwa njia neno lako. Tu fais de nous enfants de Dieu. Njoko natufanya tupate kwa watoto wa Mungu. Par ta parole. Ni kwa njia neno lako. Tu formes en nous l'esprit de Christ. Njoko naomba ndani yetu roho ya Kristo. Bénis-nous Seigneur ce soir. Sois avec le prédicateur. Uwe pamoja na mhubiri. Et sois avec ceux qui vont écouter. Na uwe vile vile na kila mtu atasikia. Que la grâce. Neema yako. Sois avec nous tous. Ipate kuwa pamoja nasi sote. Mujina. De Jésus Christ. Ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc, sans pouvoir recevoir le frère Albert. Tuko na kufurahi kupokea ndugu yetu Albert. C'est toi qui me reçois, mais c'est toi qui me reçois. Je le reçois avec joie au nom de Jésus Christ. Je le reçois avec joie au nom de Jésus Christ. Nous vous saluons ce soir. Mangaribi tunamisalimia avec joie na fura dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Ujina la damani la bwana wetu Yesu Kristo. Ainsi nous nous mettons debout. Eve tupate kusimama. Nous ouvrons nos Bibles. Tutafungua mabiblia zetu. Dans Jean chapitre 3. Yohana sura yake ya 3. Jean chapitre 3. Yohana sura ya 3. Nous commençons par du verset 3. Tanzia pa mstari wa 3. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. En vérité, je te le dis. Kweli, kweli, nakwambia wewe. Si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asalike mara pili, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nicodème akamwambia, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Namna gani mtu anawezi kuzalika wakati yuko mzee? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeah, anawezi kurudia tumboni mwa mama yake na kuzalika? Jésus répondit. Yesu akamjibu. En vérité, je te le dis. Kweli kweli ninakwambia wewe. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu asalike kwa maji na roho, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hawezi kuingia mfalme wa Mungu. Ce qui est né de la chair, ile iliyozaliwa na mwili, est chair. Ni mwili. Et ce qui est né de l'esprit, na ile inazaliwa na roho, est esprit. Ni roho. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, usisagaya kama minakwambia, il faut que vous naissiez de nouveau. Inafai muzalike mara ya pili. Que Dieu ajoute des bénédictions avec toute sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Pikale. Nous lisons également dans 1 Corinthiens chapitre 2. Tasoma tena wa Korinto wa kwanza sura yake ya pili. 1 Corinthiens chapitre 2. Wa Korinto wa kwanza sura ya pili. Verset 10. Starwakum. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Mungu alitufunulia hayo kwa roho. Car l'esprit sonde tout. Kwa maana roho inachunguza vyote. Même le profondeur de Dieu. Hata maupana ya Mungu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Ni nani katikati ya watu anayoa mambo ya mtu? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Isipokuwa roho ya mtu iliyo ndani yake. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. L'esprit de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Lakini, roho inatokea kwa Mungu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ili tupate kujua vitu vile Mungu alitupatia kupitia neema yake. Et nous en parlons. Na tuko na semeze hayo. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Hapana na masemo ya hekima ya kimutu. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Lakini ile kunafundishwa na roho. Employant un langage spirituel. Kitumio msemeo wa kiroho. Pour les choses spirituelles. Tu as vitu vya kiroho. Mais. Lakini. L'homme naturel. Mutu wa asili. L'homme naturel. Mutu wa kawaida. Sema tu mutu nyama. Mutu nyama. L'homme naturel mutu nyama n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Asitike bitu bya roho ya Mungu. Car elles sont une folie pour lui. Kwani yeye ile mambo ni. Et il ne peut pas les connaître. Hawezi kuijua.
même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Que Dieu ajoute des bénédictions avec toute sa parole. Frères et sœurs, comme on a commencé hier, nous parlons sur ce qui est né de la chair et chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Parce qu'à notre naissance, tout celui qui est né de la femme, tout homme né de la femme, à sa naissance, il a reçu une nature très mauvaise. Par notre naissance, nous recevons une nature mauvaise. Cette nature ne peut pas s'améliorer. Auprès de Dieu, il ne faudrait pas améliorer cette nature. Elle est mauvaise. Parce qu'elle ne peut jamais se soumettre à Dieu. Elle ne peut même pas non plus plaire à Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 51, le verset 5, nous ne lisons pas, nous continuons. J'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Amen. Ainsi, en lisant Corinthiens, il nous est fait ressortir trois identités. Trois identités. Il est parlé de l'homme naturel. Il est parlé de l'homme spirituel. Et il est parlé de l'homme charnel. Ce soir, de ces trois identités, tu peux pratiquement te référer à quelle identité? Là où tu es, pale, oui. Es-tu l'homme naturel? Uko mutu nyama? Es-tu l'homme spirituel? Uko mutu akiro? Ou es-tu l'homme charnel? Uko mutu wa mwili? Le message que nous avions reçu, le message biblique du temps de la fin, c'est un message qui nous a été donné pour que nous ne demeurons pas des enfants seulement de Dieu. C'est pour que nous soyons des fils et filles de Dieu. Donc nous devons normalement quitter de l'état d'enfant pour atteindre l'état des fils et filles. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Ne séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles de Dieu. À ce message est lié l'objectif le plus élevé. L'objectif le plus élevé du temps de la fin. Tu ne peux pas le trouver ailleurs. L'objectif le plus élevé du temps de la fin, Dieu est en train de les réaliser par ce message à travers les croyants. Donc tel que tu es là, ma soeur, tu es en train de marcher avec l'objectif de Dieu. Et nous sommes de ceux-là qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Et Dieu, en ce temps, il est en train d'accomplir son dessein.
Et le dessein de Dieu, c'est Christ qui a été révélé. Et Christ révélé doit être accompli en toi. Donc quand on te regarde, tu dois réellement manifester Christ. Celui ou celle à qui Dieu s'est révélé. Je répète, c'est lui ou celle à qui Dieu s'est révélé. Il a la responsabilité de manifester le Dieu qui s'est révélé à lui. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Et nous devons bien comprendre l'objectif pour lequel Dieu nous a envoyé ce message. Lisons. Lettre circulaire 33. Page 32. Ce qu'il faut réellement percevoir dans le message divin nous est dit au chapitre 1, verset 5, de la première épître de Jean. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui. Et que nous vous annonçons savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucun ténèbre. Qui de tous ceux qui aujourd'hui apportent le message fabriquer maison l'a réellement entendu de lui? Le message nous a été annoncé par la bouche de celui qui a été appelé à le publier. Qui l'a entendu et qui l'a reçu de lui? Tous les enseignements et interprétations introduits au cours des années passées ne sont pas une partie intégrante du message originel. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, partout on prêche ce message et on ne le garde pas dans son originalité. Partout on prêche ce message en ajoutant les pensées de l'autre ou en y retranchant, Dieu ne peut pas approuver les choses là-bas. Amen. Vous devez être convaincu que la préparation de l'église épouse ne se fait pas ailleurs si ce n'est qu'ici. Si on n'a pas cette conviction, mes frères et sœurs, on sera ballottant. Il continue de dire, ce sont des falsifications et des déformations qui ont purement et simplement été décorées des citations. Ma citation. C'est pourquoi je crois qu'il ne peut pas se réaliser des communions véritables de l'esprit au milieu des croyants qui vont dans des directions spirituelles différentes. Amen. Frère Branham disait à ce sujet que l'achèvement
Est-ce que vous croyez que nous sommes au temps de l'achèvement? Dieu est en train d'achever son œuvre. Dans chaque frère, dans chaque sœur. Tel que tu es là. Quand je te regarde. C'est pas moi qui t'ai appelé. C'est lui qui t'a appelé, c'est Dieu lui-même. Et je t'assure ce soir. Le Dieu qui t'a appelé. C'est lui-même qui a commencé l'œuvre en toi. Et lui-même. Même qui a commencé cette œuvre, lui-même doit l'achever. Et aujourd'hui, Dieu achève son œuvre dans les individus par le scellement du Saint-Esprit. Cela ne se fera pas ailleurs. Si ça devrait se faire ailleurs, on n'allait pas sortir dans les dénominations. Nous sommes sortis parce qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Partout c'est l'idolâtrie. Partout c'est l'idolâtrie. Par ce message, Dieu nous a ramenés à lui-même. Et je crois de tout mon cœur. Ce message ramène les enfants de Dieu à Dieu. Et ce message ramène Dieu au milieu de son peuple. Même ce soir, Dieu est avec nous. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sanctifie, il est avec nous ce soir. Et quand vous venez à l'église, croyez de tout votre cœur, je vais rencontrer Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu de William Marion Branham. Il n'est pas mort, il est vivant. Mais ce soir, il continue à agir. La grâce à laquelle nous sommes attachés, c'est la véritable grâce. En dehors de cette grâce, il n'y en a pas d'autre. La grâce que nous avions reçue, c'est la véritable grâce. Et celui qui a reçu la grâce, il va demeurer là où on prêche la vérité. Celui qui a reçu la grâce, il sera derrière les mandatés de Dieu. Celui qui a reçu la grâce, il reconnaîtra les mandatés de Dieu. C'est ça la grâce, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et c'est la véritable grâce. Et par cette grâce, Dieu agit. Par cette grâce, Dieu va marquer la différence. Mungu atakikisha. Kankamana frère. Kankamana dada. Mungu atakikisha. Ya kusema uko mtoto yake. Ne regarde pas ce que tu es. Qu'est-ce que tu as de spécial? Ne regarde pas ce que tu es. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. C'est la chose la plus importante. Kama biendeke. Kuya kumagochi. Ria Mungu. Onesha Mungu. Unisaidie. Na Mungu atakusaidia. Dieu savait. Dieu savait. Que par toi-même, tu étais incapable. Dieu savait. Que dans ta famille, il n'y avait personne qui pouvait t'aider. Même ce soir, s'il n'y a personne, Dieu lui-même est ton aide. Dieu lui-même est ton aide. Même ce soir, il demeure le Dieu qui sauve. Même ce soir, il demeure le Dieu qui délivre. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. El Shaddai. Elohim. Jéhovah Shammah. Il est ici ce soir. Et il est ici pour toi. Accrochez-vous à Dieu. Dada. Ma soeur. Aukwamini njuu ya kupotea. Tu n'as pas cru pour être perdu. Na Mungu ashikukokoe njuu ya kukupotesha. Dieu ne t'a pas sauvé pour t'égarer. Soyez convaincu. Akikiso na ile. Tu es la propriété de Dieu. Wewe ni mali ya Mungu.
Amen. Amen. Nous sommes au temps de l'achèvement. Dieu est en train d'achever son œuvre. Dans les individus. Et parallèlement, il poursuit son œuvre dans le corps. Parce que l'individu à lequel Dieu achève son œuvre, en le scellant du Saint-Esprit, cet homme-là, il entre dans le corps de Christ. Et quand le corps sera complet, quand le corps sera complet, la scène va changer. On ne priera plus au nom de Dieu, parce que toute la plénitude de Dieu sera dans le corps. Soyez fiers. Frère, qu'est-ce que tu fais, mon Mungu ashijone chez kwabo. Et Dieu ne se fait pas voir. Si avant la capaille paille. Mais nous les hommes de Dieu. Pourquoi tu nous cognes en pombe? Qui buvions? Pourquoi tu la langue? Qui mentions? Pila kutafuta Mungu. Mungu ya moya ana tutafuta. Lui-même nous a cherché. Oh, quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce! Reconnaître cette grâce va te pousser à ne pas mentir. Vous savez, Monadjo, ce qui amène un pécheur à la repentance. Il est appelé Kaka Mutenda Zambi à Tubu. Aina kufoka. Il ne s'agit pas de gronder. Aina ku terroriser Bantu. Ce n'est pas en terrorisant les gens. Oui, parce qu'on a affaire aujourd'hui parfois à des prédicateurs audacieux. Djou Léo. Ce qui amène un pécheur à la repentance, c'est quand le pécheur rencontre l'amour de Dieu. Tu vas voir, tu vas constater. Tant que personne ne t'exige, tu deviens redevable. Tu commences à dire, que ferai-je pour ces dieux ici? Ainsi, Didio, par ce message, tu pitié ou djumbe, pas n'importe où, à pas na fois yoyote. Amen. Amen. Pas n'importe où. Vous voyez bon. Que ici, Maminiakam. Ce message, Pitiayoujoum. Dieu est en train d'achever son œuvre. Mungu kazi yake. Nous faisons un effort pour que nous puissions rester dans ce que vous nous avez enseigné. L'église aujourd'hui n'a pas besoin de beaucoup de prédicateurs. L'église aujourd'hui a besoin de prédicateurs qui doivent les maintenir dans ce qui nous a été déjà enseigné. Amen. Croyez, ma soeur. Dieu. Aujourd'hui, c'est par toi, que Dieu est en train d'achever son œuvre. Mungu anayua. Dieu sait. Kurikwa la kukwako. Vous pouvez brancher. Kurikwa la kukwako. Vous pouvez brancher. Mais quand on arrive quoi là? Mais quand vous branchez. Angaria kaja musalaba. Regarde l'œuvre de Miria Mungu. Dis à Dieu, fais-moi encore grâce. Relève-toi. Namuka. Continue à marcher. Demain après demain. Comme un rêve. Il est venu quoi bien gouffre. Aouta biouna tena. Il ne verra plus jamais. Amen. Amen. Je continue à lire. Cet homme. C'est une grâce aussi de reconnaître ce ministère. C'est pourquoi nous sommes équilibrés.
On n'est pas ni à gauche ni à droite. Nous sommes sur le droit chemin. Et nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour prêcher. Vous trouvez que c'est par la vertu du Saint-Esprit que nous prêchons. Les capacités avec lesquelles nous prêchons ne viennent pas de nous. Abandonnez-vous à Dieu. Vous allez voir que Dieu lui-même, il va vous utiliser. Amen. Amen. Si Dieu nous a envoyés, je dois te prêcher de manière à ce que Dieu t'agrège. C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé. Alors, l'homme de Dieu continue. Ewald Frank. L'homme dont il nous fallait en ce temps aussi. Il fallait ce temps où il y a des doctrines des démons. Partout où il y a l'interprétation, c'est démoniaque. Frère Branham disait à ce sujet que l'achèvement aura lieu conformément à la parole de Dieu dans l'amour divin. Ceux qui veulent y participer. Participer à quoi? Participer à l'achèvement. Toi qui es là, comme tu es là, tu es celle parmi celles qui veut réellement participer à l'achèvement. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Voilà pourquoi tu participes à tout ce qui se passe. Parce que tu veux que Dieu achève son œuvre en toi. Ainsi comprenez maintenant. Ça me sikie. Ceux qui veulent y participer, voilà, on appelle kushiriki, doivent avoir deux choses à cœur. On pas chaque na vitu miri moyo. Et l'éprouver par leur action. Na kuyonesha kupitia mapendo ya matendo yao. Doit avoir deux choses à cœur. On vitu miri moyo. Et l'éprouver par leur action. Premièrement, ils doivent. C'est une obligation. Ils doivent sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu originelle. Lisez là-bas. Ils doivent sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu originelle pour devenir eux-mêmes une partie de la parole. Ça c'est un. Qui accepte ça? C'est la première chose. Qui l'accepte? Dans ta prière ce soir, tu vas dire à Dieu, je veux réellement devenir une partie de la parole que je crois. Afin que par moi, à travers mes actions, je puisse manifester la vérité que j'ai reçue. Deuxièmement, par rapport au premièrement, c'est quoi, nous ne supportons pas l'interprétation. Amen. Nous tirons vraiment beaucoup plus attention à la vérité. Et il y a quelqu'un que Dieu nous a donné pour nous aider même à prendre les déclarations de Branham et les placer dans les contextes justes.
Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Mungu avumilie kuabudu kwa sanamu. Tout ce qui est de l'idolâtrie dans l'église épouse, ça doit disparaître. Deuxièmement, ils doivent, nous qui sommes ici, chacun d'entre nous, nous devons expérimenter une purification et une sanctification intérieure complète et être véritablement scellé du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas agréer ce qui est né de la chair. Tout ce qui est de la chair doit disparaître. Amen. Amen. Dieu agréé ce qui est issu de son esprit et de sa parole. C'est ce que Dieu agréé. C'est quoi quand tu es désobéissant? Quand tu es désobéissant, c'est difficile. Mais si je suis de Dieu, et je constate la désobéissance, je vais implorer la grâce de Dieu. Et Dieu va m'aider. Femme, soyez soumise à votre mari. Tu n'es pas soumise pour plaire à quelqu'un. Tu es soumise, c'est pour plaire à Dieu. Marie, aimez votre femme. Mais je le fais, c'est parce que je veux plaire Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Frère, je ne veux pas plaire quelqu'un. Par obéissance, je veux plaire à Dieu. Parce que Dieu a une récompense à me donner. Pour nos frères prédicateurs, j'ai lu un peu quelque chose. Mais on a compris, hein, premièrement et deuxièmement, pour soutenir ce qu'on est en train de prêcher. Nous sommes sortis. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Donc, Tisha Kutoka. Après avoir sorti, Moumazeb. Dans les dénominations. Moudounia. Au monde. Moubisela. Dans les traditions. Moumatume. Dans les coutumes. Je peux dire Dieu est quelque part là-bas. Avec la parole de la vérité. Il veut que je puisse marcher pour arriver là-bas, là où il va m'accueillir. Et quand il m'accueille, il va me sceller du Saint-Esprit. C'est pourquoi je fais tous les efforts. Les efforts que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Maintenant, pour qu'on y arrive, l'homme de Dieu dit ceci. Le champ de blé est mûr. La récolte doit être rentrée. Je souhaiterais seulement tout qu'un grand nombre d'ouvriers soient établis directement par le Seigneur de la moisson. C'est-à-dire des frères qui collaborent à cette œuvre dans le même esprit et la même doctrine. Quand il y a des contradictions, bon, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on va amener l'église au scellement? Moi, si je parle aujourd'hui de Franck, je n'ai pas reçu une révélation.
Je n'ai pas reçu une révélation. Il y a des gens qui m'ont prêché. Comme en moi, il y avait la profondeur. J'ai reconnu cette profondeur. Et avec ça, nous pouvons maintenant collaborer. C'est vous qui m'avez prêché. C'est vous qui m'avez prêché. J'ai aussi commencé à mon tour prêcher. Angalia kama mureconnaître mwile na muna, c'est pourquoi tu makanisa tu kupata kukauka kauka. Regardez, si vous ne reconnaissez pas de ça. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mungu wetu ni Mungu wa usawa. C'est pas un Dieu de désordre. Ana Mungu wa fujo. Dieu, mais écoutez-moi mes frères et sœurs. Ndugu na dadangu munisiki. Dieu, Mungu, par Josaphat. Kupitia Josaphat. Après, il est pratiquement ramené le peuple de Dieu. Parce que c'était du temps d'Akab. Akab a amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Et Josaphat, il a pris le peuple de Dieu. Il l'a ramené à Dieu. Et Dieu, pour que son peuple ne puisse pas encore tomber dans l'idolâtrie, il a établi des juges. Amen. Amen. Faites attention à toute interprétation. Amen. Nous parachevons la pensée dans la même lettre circulaire. Oui, les lettres circulaires. Parce que il nous est parlé de l'homme naturel. C'est lui que Dieu va agréer. Ce n'est ni l'homme naturel. Ce n'est ni l'homme charnel. L'homme naturel, c'est l'homme qui est né de la chair. Il est charnel, il est naturel. Tout ce qu'il fait est animal. Et aujourd'hui, nous voyons cet état d'animal se manifester. Et Dieu n'agréera jamais cela. Que tu sois beau, que tu sois intelligent, que tu sois riche. Sans Dieu, tu es un homme animal. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? C'est pourquoi nos yeux ne regardent pas aux choses du monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, sans Dieu, tu es animal. Tu vis sans espérance. Comme on a coup froid. Si tu meurs, on a coup froid sans nyama. Tu meurs tel un animal. Est-ce que Simba est comme la Est-ce que le lion a-t-il l'espérance, quoi qu'il soit lion? Attends, Simba. Est-ce qu'il a matumaini? Est-ce qu'il a l'espérance? Bila Mungu, Mungu bila Christ, Ashina na matumaini. N'a pas d'espérance. Kama na kufwa, na kufwa sa nyama. Lorsqu'il meurt, il meurt comme un animal. Kama unaona yimbo wa kufwa na mtu anakufwa bila Christ, abachane. Bego tu ba famoya. Des noms qui meurent sans Christ, ils sont tous pareils. Jo kuna mtu Mwali ya bunyama unabeba na chivuri unaweka hapo. Il s'enfle. Ule mtu wa vile nitakushikilia buluma. J'aurais pitié d'un tel homme. Celui qui a l'esprit de Dieu attend de kumushikilia buluma. Ule kuna roho ya Mungu. Il aura pitié de cet homme. Pour parachever la pensée. Je kuisha kumaliza wazo. Toujours dans la même lettre circulaire. Aka mwile lettre circulaire moja moja ile. Il dit ceci. Imagine. Ce n'est pas en se disputant les uns les autres, mais bien seulement en marchant avec Dieu, que l'on ira de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Nous voulons aller de clarté en clarté et de connaissance en connaissance jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme
parfait. Mwali ya mtu wa kukomea. Ah, mtu wa kukomea, mtu mkamilifu. Ah. Mtu mkamilifu. Tufike mukipimo que ya kuya bantu benye kwenea. À l'état d'homme fait. Tufike mukipimo que nous soyons ya kuya bantu kamilifu. À l'état d'homme fait. C'est ça l'homme spirituel. Il vit dans ce corps. Amen. Avec les yeux que, les, que tout le monde a. Voyant tout ce que les hommes voient. Mais lui, il ne se plaît pas à la chair. Il se plaît à la parole de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus des petits enfants. Ne soyons plus des petits enfants. Ne montons pas non. Nous sommes spirituels. Nous avons le jugement des choses les meilleures. Nous jugeons les choses. Afin que nous ne soyons plus des petits enfants. Balotés. Emportés ça et là. Partout vent des doctrines, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies de détournées pour égarer. C'est Dieu qui parle. C'est Ephésiens 4, 13, 14. C'est seulement ni paka. Dans la mesure où nous pratiquons la vérité et que dans l'amour nous croissons en tout point en lui pour parvenir à l'état d'homme fait que nous serons arrachés au courant divers des doctrines qui égarent. Amen. Nous sommes appelés à croître. On ne peut pas croître dans toutes les églises. Il dit, j'appuie. Je continue à lire. Prêtez bien l'oreille. Une croissance dans l'esprit n'est pas possible. Aïwezekane. N'est pas possible. Une croissance dans l'esprit n'est pas possible dans des fausses doctrines. Car l'esprit ne peut agir qu'en rapport avec la parole et selon la parole. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, tout ce qui est né de la chair, la naissance naturelle, c'est charnel. Et tout ce qui est né de la chair est attaché à la chair. Derrière la chair, le diable est là-dedans. C'est quoi toutes les œuvres de la chair? Ce sont des œuvres diaboliques. C'est diabolique dans l'homme. Et Dieu n'agréera jamais cela. Même la véritable sanctification.
Il est possible que là où il y a la parole de la vérité, là où il n'y a pas la parole de la vérité, il n'y aura pas la sanctification. Dada, sois jaloux avec toi. Ne prends pas ton âme pour un jouet. Amen. Amen. Ainsi, Didio, par la nouvelle naissance, parce que nous ne sommes pas seulement nés de la chair, celui qui est né une fois mourra deux fois. Mais celui qui est né deux fois, je suis né de la chair et puis je suis né de l'esprit. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui étaient nés de la chair et qui sont nés de l'esprit? Je peux voir. Maintenant à toi, qui est connecté à ce que Dieu a dit dans cet âge, c'est possible que tu puisses croître. C'est possible que tu puisses croître. C'est possible que Dieu puisse t'agréer. Soyons seulement obéissants. Kama bintu binakuya nguvu, wende kuma gochi. Apana kufunika richo. Onesha Mungu. Ya kusema hivi vitendo ni vitendo vya shetani. Mumaisha yangu mina vikatala. Je le refuse. Me uriua. Me tu savais. De moi-même, je ne peux pas me délivrer. C'est pourquoi tu m'as envoyé Jésus-Christ. Afin que par Jésus-Christ, à travers sa mort à la croix, je sois délivré. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Par cette parole, que celui qui est venu malade reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Par cette parole, celui qui est venu affligé, qu'il soit consolé. Par cette parole, celui qui s'était affaibli dans la foi, qu'il soit relevé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Les élus de Dieu. Batolo wa Mungu. Dieu parle à ses enfants. Mungu akona sema na watoto wake. Il nous parle ainsi. Eko le sema na nasi mwi namna. Parce qu'il nous aime. Kwa sababu anatupenda. Ce n'est pas le frère qui a parlé. Aina ndugu ndio anasema. L'esprit qui a parlé. Iro wa Mungu ndi anasema. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'esprit ambacho roho dit aux églises. Anambia makanisa. Qu'on chante un cantique. Watutumie mwimbo. Il y a un cantique que vous avez chanté avant que nous entrions ici. Kuko mwimbo mwa mulianza kuimba kabla sie kuingia. Bele sie kuingia. Avant que nous entrions ici, Tokangiza
Ensemble. Priez selon la parole. La vraie prière, c'est ce qui est conforme à ce qui a été prêché. Dieu nous a parlé. Prions maintenant d'après ce qu'il nous a parlé. Et Dieu nous bénira. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Prions. Thank you.
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'a recevoir la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quand vous recevez la prédication comme parole de Dieu, quand vous recevez une prédication comme parole de Dieu, c'est à ce moment-là que cette parole va agir. Seigneur du Tout-Puissant, ce que nous avons entendu ce soir, c'est la vérité. Nous confessons devant toi que nous avons entendu la vérité. Seigneur, que cette parole puisse agir. Que cette parole puisse faire croître. Parce que la croissance vient de toi. Paul disait, moi j'ai planté, Apollo a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Seigneur, fais croître cette parole en nous. Bénis-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous avons droit à ces choses, Seigneur. Délivre-nous des faussetés. Garde-nous des mensonges. Ouvre nos cœurs à la vérité, Seigneur. Que chaque frère, chaque soeur soit béni dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mbele ya kuachana tu na tangazo moja. Avant de nous séparer, nous n'avons qu'une seule annonce. Bureau ba chema shikuko feza. Il y a de l'argent au bureau de diacre. Bana lokota ngambo ya ba frère. Ramassé du côté des frères. C'est lui qui va constater qu'il n'a plus l'argent dans sa poche. Il peut directement aller voir les diacres avec tous les détails. Allons avec la paix du Seigneur. Yesu, Yesu alikuwa akichukua.